الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala récompense l'association entre elles, notre frère, le responsable, l'équipe qui est avec lui, tous ceux qui ont contribué à cet événement, qu'Allah azawajal les préserve pour avoir mis en place cet événement qui, vous le savez peut-être pas, mais est très très dur à mettre en place. Jazakumullah khair et inshallah que tout ce qui sera dit sera dans le compte de vos bonnes actions. Qu'Allah azawajal vous accorde la sincérité à tous et à toutes, à moi-même, aux responsables, car sans la sincérité, rien n'est validé. Les actions sont bloquées. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit se poser la question: pourquoi je suis venu? Quel est mon but? Pourquoi est-ce que moi, Nader, je suis intervenu, le frère Ismaïl derrière moi et ceux qui vont venir après? Pourquoi les responsables ont mis en place cet événement? Il faut que tout ça se soit fait pour Allah Tabaraka Ta'ala. Car dans le cas contraire, on récolte pas de bonne action et il est possible que si de mauvaises intentions aient été préparées, qu'on récolte autre chose. Enfin, comme vous le savez, on m'a choisi un thème qui fait l'unanimité, les bienfaits du mariage. Ça aurait été un autre thème, je pense que la salle serait moins remplie qu'aujourd'hui. Mais bon, généralement, ce thème-là, hein, quand tu parles de mariage, même si tu as parlé du divorce, la salle, elle est mamra, blindée. Enfin, on va voir ensemble, inshallah tabaraka ta'ala, les bienfaits du mariage. Le mariage, mes frères et sœurs, c'est un bouclier qui protège des tentations. Un bouclier qui protège des tentations. Il protège les femmes et les hommes de tomber dans le haram. Pour ce qui est des hommes et des femmes, il faut qu'ils sachent que l'attirance qu'ils ont envers eux-mêmes, yani que la femme soit attirée, yani de l'homme et l'inverse, ça c'est des choses naturelles. D'accord ? C'est naturel. Mais le problème qui se pose, c'est quand cette attirance que l'on a vers le sexe opposé nous amène à faire du haram. Et comme vous le savez, dans notre société de nos jours aujourd'hui, faire du haram c'est très facile. C'est très très facile. Enfin, le mariage nous permet d'avoir cette assurance, de nous protéger des fitnes et des tentations. Mon frère ainsi que toi ma soeur, je sais que tu as envie de vivre la vraie joie sur terre. Tu as envie de combler ta vie de désirs. Tu as envie, comme ils disent, de kiffer. Et bien sache-le, que ça ne sera pas en sortant avec une fille ou avec un garçon dans le haram que tu vas satisfaire tes envies, tes désirs et tes manques. Jamais. Jamais de la vie, une relation illicite va satisfaire ce besoin que tu as à l'intérieur de toi. Ce que tu vas satisfaire peut-être, c'est le besoin physique. C'est le fait d'avoir une relation avec une femme qui va peut-être aller jusqu'à la fornication. Ton physique, lui, oui, sera satisfait. Mais par contre, il faut que tu saches qu'il y a un besoin moral. Et ce besoin moral-là, c'est pas en faisant le haram que tu vas le satisfaire. Le besoin moral, t'en fais quoi? Et le besoin de faire confiance à quelqu'un, t'en fais quoi? Et la pudeur, surtout je parle ici à nos sœurs, t'en fais quoi? Et la religion, t'en fais quoi? Et tes enfants, qui viendront bénir la azogène plus tard, t'en fais quoi? Tu pourras un jour dire à tes enfants, mon fils, ta maman, je l'ai serré en boîte de nuit. Tu pourras lui dire ça? Ça sera pas une honte, franchement? Tu sais que ta maman, je l'ai connue où? Sur Facebook. J'ai envoyé une invitation à la mort du Alamson et rapidement, en 2-4-6, on s'est retrouvés, voilà, à vivre ensemble. Quelle crédibilité, quelle image tu donneras à tes enfants? Mon frère, ma soeur, tu crois qu'en sortant avec une fille ou un garçon dans le haram, que tu peux lui faire confiance? Tu ne pourras jamais lui faire confiance. Et les histoires sont nombreuses, j'ai pas en vous à raconter, vous en avez peut-être vécu ou entendu des centaines et des milliers où les relations illicites, c'est un chemin sans issue. C'est une voie sans issue. Le haram, ça paye très mal. Crois-moi que tu ne pourras jamais faire confiance à quelqu'un que tu as connu dans le haram. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que cette disquette que toi, mon frère, que tu as mis dans la tête de cette fille, sache qu'un autre viendra après toi avec des disquettes plus fortes, il a la tchatch, et
il va lui mettre cette disquette et ainsi de suite. Et à la fin, tu diras que cette fille à qui tu t'étais attaché, t'a laissé. Et pareil de l'autre côté, les sœurs aussi. Les sœurs, faut qu'elles fassent attention. Parce qu'aujourd'hui, celui qui t'a connu dans le haram, faut savoir que dans sa tête, les choses ne sont peut-être pas claires. Mais peut-être toi, des peut-être passages dans sa vie. Et vous le savez très bien que c'est pas la quasi-totalité des relations qui sont nées dans le haram qui ont fini par un mariage. Au contraire. Ça s'est pas fini par un mariage. Ça s'est fini par, voilà, on a passé du temps. Et après, il y a eu des cœurs qui ont été brisés d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça que le haram, ça paye pas. Il y aura toujours un homme plus malin que toi, un homme plus intelligent que toi. Il y aura toujours un homme qui a plus de tchats que toi pour prendre cette fille que tu as réussi à prendre. Donc forcément, un jour ou l'autre, ces barrières retomberont pour un autre homme ou pour une autre femme. Par contre, mon frère, ma sœur, si tu t'attaches à la religion et que tu respectes les principes de ta religion, il est possible que tu vives quelques secousses dans ton couple comme tous les couples. D'accord ? Comme tous les couples. Walakin, ce qui régnera le plus, ça sera la paix, le repos et la stabilité. Chose qu'on recherche tous, n'est-ce pas ? Celui qui est marié cherche le repos. Et il veut que le repos reste un maximum de temps possible. Ceux qui sont célibataires, eux, ils le recherchent encore plus. Quand est-ce que je serai enfin, comme ils disent, posé et que je vais vivre une vie stable ? Wallahi, mes frères, ainsi que mes sœurs, le mariage, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Certes, il y a de temps à autre des petites disputes, comme dans tous les couples. Mais en dehors de ça, c'est un véritable bonheur. Tu as une femme, je parle ici aux frères, après je vais m'adresser aux sœurs. Tu as une femme sur qui tu peux compter, qui t'épaule, qui te soutient. Ta femme, elle t'apporte du réconfort. Quand tu as bossé toute la journée et que tu es crevé, tu penses qu'il y a une seule chose, c'est de retrouver ton épouse et de rester avec elle. Elle te prépare des bons plats que tu kiffes, elle prend soin de toi. Elle fait que ta maison ne manque de rien, tes vêtements ils sont là, ils belles, repassés, nettoyés. Bien sûr, je suis pas en train de dire que c'est une machine à la maison, hein. Voilà qu'elle fait ce qu'il faut pour que tu sois heureux. Elle est avec toi dans les moments difficiles, elle te conseille, elle te soutient. Quand tu t'embrouilles avec elle, dis pas vas-y, garde la pêche, de toute façon, si t'es pas content, eh ben, je vais en trouver un autre. Ou t'as qu'à trouver une autre femme que moi. De toute façon, si tu me veux pas, c'est pas grave, il y a plein d'hommes. Elle dit pas ce que les filles de la rue disent. Mais elle dit plutôt, mon mari t'est énervé contre moi, donne-moi ta main. Et ça, c'est dans la description d'un hadith. Ça fait partie des femmes du paradis. Ce que je vais dire là, c'est le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit dans un hadith authentique. Pour pas qu'une personne dise, mais attends, il est sérieux là. Cette femme, elle existe où? Elle existe que dans le jannah, dans le paradis. Elle n'existe pas sur terre. Non, il est possible qu'elle existe aussi sur terre. Si elle est pieuse et vertueuse, wallahi, qu'elle peut faire ça. Elle voit son mari en colère, elle lui dit, donne-moi ta main, wallahi, je goûterai pas au sommeil tant que t'es en colère contre moi. Je goûterai pas au sommeil. Et ça, c'est la description des femmes du paradis. Et pour celles qui disent, non mais attends, nous on n'est pas faibles, nous. Nous, faut qu'on lui montre qu'on sait faire du rentre-dedans. Comment ça? C'est-à-dire, lui, il me critique, il m'insulte, et moi je ne lui réponds pas. Après, il va continuer à me hagar, il va sortir ses griffes. Ma sœur, la musulmane, elle ne dit pas tout ça. La musulmane, elle fait ou elle ne fait pas en fonction de son dîme, de sa religion. N'est-ce pas? Donc, si tu sais, ma sœur, que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit que parmi les femmes du paradis, il y a ce type de femme, fais tout pour l'être. Et ton œuf, ton ego, tout ça, mais écrase-le. Écrase-le pour Allah. Certes, peut-être le mari ne mérite pas ce comportement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite que tu te comportes bien avec ton mari ou pas? Répondez-moi. Oui. Donc, faut faire un effort. Faut faire un effort. Et ça, c'est dans le mariage que tu trouves ce type de repos et de réconfort. Comme bien sûr les deux ont adopté comme mode de vie le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ma sœur, quant à toi, tu n'as jamais eu envie d'avoir un homme qui ne ment pas? Ah mon frère, aujourd'hui combien de sœurs elles disent même les frères c'est des mythos. Tu ne peux plus faire confiance à un frère. Wallah, tu sais quoi, elles restent entre elles. Tu as comme les, excusez-moi, les grand-mères qui tricotent et qui passent du temps au téléphone là. Elle parle pendant des heures sur les hommes qui sont des mythos. Ils ont la barbe al-qamis, ils vont à la mosquée, ils disent qu'Allah n'a pas la rassou, ils étudient le Coran, le Tawhid, la Sunna. C'est des mythos, on ne peut plus faire confiance aux hommes aujourd'hui. C'est pas vrai. Ils sont tous pareils. Ça, moi, j'aime pas cette histoire de généralisation. D'un côté comme de l'autre. Le fait de dire que toutes les femmes, elles sont mauvaises et perverses et qu'elles mentent et qu'elles mettent des jilbabs pour zama la mode et tout, et pour s'attirer un frère, tu vois, d'une bonne apparence, et de l'autre côté aussi qu'on dit ça. Arrêtez, calmez-vous. Il existe encore des gens bien. Wallah, il y a même qu'il existe plein de gens bien.
Mais il est possible que vous, vous ayez vu devant vous que de mauvaises personnes. Eh bien, c'est pas à prendre pour une généralité. C'est pas parce que tu en as vu quelques-uns qui sont mauvais que tout le monde est dans le même sac. Faut arrêter de penser comme ça. Surtout nous, les musulmans, ça nous a pas été enseigné, ça, par notre religion. Donc, ma sœur, tu veux vraiment un homme qui ment pas, un homme qui ne te trompe pas, un homme, un vrai, un homme qui bosse pour entretenir son foyer, un homme qui sera un bon père pour tes enfants, un homme qui a le sens des responsabilités, un homme qui te plaît et qui plaît à Allah, tabaraka ta'ala, un homme qui dépense pour toi, un homme qui assume les choix que vous prenez à deux, un homme qui reste fort dans la difficulté car il sait qu'Allah, tabaraka ta'ala, est à ses côtés. Ma sœur, tu veux cet homme? Tu ne l'auras que dans le halal. Tu sais, ça veut dire quoi dans le halal? Ça veut dire qu'il faudra que tu prennes toutes les voies, tous les chemins halal pour l'avoir. Mais par contre, tu ouvres la porte à Twitter. Tu envoies un tweet à un homme que tu ne connais pas ou tu en reçois un et tu commences à faire une relation, tu l'as créé de ce moment-là. Ou bien sur Facebook, tu reçois une invitation ou tu invites. Ou bien dans une rencontre comme celle-là. Elle marche pour aller prendre un sandwich, elle commence à zoomer sur un frère. Tu vois? Quand est-ce que le frère il va jeter un œil sur moi là? Purée, subhanallah. Regarde, je suis là. Si c'est ça que tu crois, si tu penses que c'est dans ces conditions que tu vas réussir à trouver un mari pieux, c'est pas comme ça. Faut que tu saches que ce que t'as de plus cher, ma soeur, c'est ta fierté. Ta fierté, c'est ce que t'as de plus cher. Tu dois pas te dévaloriser. Tu dois pas faire ce que les non-musulmanes et ceux qui n'ont pas la religion et celles qui n'ont pas la religion font pour avoir un homme. Sois pudique, réservé, écarte-toi un maximum des relations et des fréquentations illicites pour pouvoir, inchallah, avoir la baraka d'Allah et qu'Allah Azzawajal te donne un mari pieux. Parce que le halal, pour l'avoir, il faut prendre un chemin qui est halal. C'est logique, j'avais donné un exemple plusieurs fois dans une conférence en disant, imagine quelqu'un qui te dit, moi je vais aller au Hajj cette année, d'accord? Je vais aller au Hajj. Et il dit, tu sais comment j'ai fait pour avoir les sous du Hajj? Eh ben dis-toi mon pote, je suis parti jouer au loto, Allah est père et que j'ai gagné le million. Le premier réflexe de chacun d'entre nous, c'est mais non, ça peut pas, mais non, ça marche pas, ça passe pas. Pourquoi? Akhi, t'as gagné de l'argent haram et tu vas aller. Mais non, ça passe pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour nous, le Hajj, c'est sacré, c'est un pilier d'islam. Pour faire ce pilier, il faut de l'argent propre. Bah pareil pour le mariage. Le mariage, on prend pas un chemin sale pour avoir une finalité propre, pour avoir une femme pieuse, vertueuse, celle qui va éduquer mes enfants, celle qui va s'occuper de mon foyer. Non. Donc ma sœur, tu veux cet homme qui dépensera pour toi, cet homme qui va te soutenir, tu ne l'auras pas dans le haram, mais uniquement dans le halal. Tu ne l'auras qu'en te mariant. Tu auras cet homme, inshallah, qui t'aime pour Allah et que tu aimes pour Allah. Mes frères et sœurs, l'islam a incité au mariage de différentes façons. L'islam mentionne que le mariage est une des traditions des prophètes et que ça fait partie des enseignements des messagers. Et que ceux qu'on doit suivre, c'est bien les prophètes et les messagers. De plus, le prophète alayhi salatu wasalam a considéré que celui qui ne se marie pas, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith ? فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui se détourne de mon chemin, et il parlait aussi du mariage dans ce chemin-là, il a dit, il ne fait pas partie de ma communauté. Et je vais citer le hadith un peu plus tard. À la base, le mariage, est-ce qu'il est obligatoire, recommandé, haram, makruh, autorisé? Répondez. Je sais que vous allez tous dire obligatoire. N'est-ce pas? Tellement vous pétez un plomb du célibat. Alors, le mariage, il est quoi à la base? Son statut religieux. Les frères là. Obligatoire, hein? Autorisé. Autorisé. Recommandé. Lui, ça se voit qu'il a envie de se marier. Il est haram aussi. Allah iberk. Toi, t'as la haine contre les femmes, toi. Donc, le mariage, il est obligatoire ou non? Le mariage, les savants disent qu'il devient obligatoire lorsque la personne a peur de tomber dans la fornication. Retenez tout ce que je vais dire. Il devient obligatoire pour la personne qui a peur de tomber dans la fornication. Lorsque le désir d'une personne devient fort et que les tentations qu'il vit sont grandes, le mariage devient pour lui une obligation. Les savants ont même dit que si la personne a de l'argent et qu'il risque de tomber dans le zina, dans la fornication,
et qu'il n'a pas fait son hajj, le pilier de l'islam, qu'il fasse d'abord son mariage avant de faire le hajj. Donc ça c'est pour ce qui est de l'obligatoire, le mariage obligatoire. Ensuite il y a le mariage qui est déconseillé. C'est celui qui n'a pas du tout les moyens pour se marier et qui ne s'en donne pas les moyens. D'accord ? C'est même pas, il se donne la peine de travailler un petit peu, d'avoir une petite situation pour se présenter et demander la main d'une sœur. Non, lui, il n'a pas les moyens et il ne s'en donne pas les moyens. Lui, c'est déconseillé pour lui qui se marie. Clair ? Ensuite, on a le mariage haram. Il y a des mariages qui sont haram. Tu n'as pas le droit de faire ce type de mariage, comme le fait de se marier avec ma sœur de lait. D'accord ? Ou bien le fait de me marier avec une sœur divorcée dans sa période de viduité. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle Azdawaj al-Muharram. Ensuite, on a le mariage recommandé. Et ça, c'est le statut religieux de base du mariage. C'est qu'à la base, le mariage, il est recommandé. Et après, selon les cas de figure, comme on vous a dit. Clair ? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat al-Rum, Surat 30, verset 21, « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ » Et parmi ces signes, parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé de vous pour vous. Il a créé de vous. De vous, il a créé de Adam alayhi salam, Hawa. Vous le savez, que Hawa elle a été créée de la côte de Adam alayhi salam. Donc, l'homme et la femme, c'est comme s'ils étaient un seul corps. Ils sont complémentaires, ils ont besoin l'un de l'autre. Un homme ressent le besoin de vivre avec une femme et l'inverse. Donc Allah Azzajal nous dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi ? Pour que vous viviez en tranquillité, le repos. Et c'est vrai, hein, tu les entends, les gens, avant le mariage, ils disent, qu'est-ce que j'aimerais me marier ? Pourquoi ? J'aimerais bien me caser. Et c'est vrai, c'est un repos. C'est un repos. Il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Mes frères et sœurs, militons sur ce verset. Le mariage est un repos contrairement aux relations en dehors du mariage. Jamais une personne en dehors du mariage, dans une relation illicite, n'a réussi à trouver le repos. Elle est tout le temps en panique, et tout le temps en stress, et tout le temps elle se dit, la personne ne va pas me répondre cette fois-là, ou plutôt, si elle ne me répond pas, c'est parce que sûrement elle est sur un autre projet avec une autre personne. Donc en fait, il ou elle me mentait, il me disait qu'on va finir le chemin ensemble et qu'on allait se marier, mais là il ne me répond pas, ça fait 4 jours. On se fait des films, en fait, on n'est pas dans un repos, dans une relation illicite. On est dans l'inverse. On est dans l'inverse. Dans le stress, dans la panique, dans l'angoisse. On dort mal. Les sœurs, surtout, elles pleurent beaucoup. Toutes les relations illicites, ça paye mal. Ça paye mal. Mais par contre, quand tu es marié, Allah y barik, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que quand on se marie bien, c'est-à-dire qu'on a respecté les recommandations divines et prophétiques, eh ben, le mariage, c'est une stabilité, c'est un repos. On se sent super bien. Et justement, c'est le moment qu'on attend le plus, le moment de rentrer chez soi, pour rester partager un moment avec son épouse. Et quand on est en voyage pour le travail, ou quand on s'éloigne un petit peu de la maison, la seule chose qu'on souhaite, c'est quoi ? C'est de revenir vite pour rester avec elle. Mais par contre, quand tu prends le chemin haram, je te le dis et je te le répète, c'est un chemin qui paye mal. C'est des fausses promesses, c'est du mensonge, c'est des illusions. Tu t'inventes une vie et le shaitan il te fait rêver dans le vent. C'est pour ça, il faut à tout prix que vous compreniez l'importance du mariage et qu'il faut garder ça en tête. Je sais qu'il y en a parmi vous, ils n'ont même pas besoin de cette conférence. Ça y est mon frère, nous on veut se marier depuis 200 ans, parle-nous d'autre chose. Ou alors qu'il y a ceux qui n'ont pas encore ça en tête, barakallahu fikum, d'avoir ça en tête. D'accord ? Le prophète, alayhi salatu wasalam, a incité sa communauté à se marier. Et il a interdit, alayhi salatu wasalam, le célibat. Et il a considéré que le mariage faisait partie de sa sunna. D'après Anas, radiallahu anhu, le hadith, il est rapporté par le Bukhari Muslim, il y a 3 hommes qui sont venus interroger les épouses du prophète, alayhi salatu wasalam, pour voir un petit peu comment le prophète, alayhi salatu wasalam, adorait son Seigneur. Et en écoutant ce que faisait le prophète, alayhi salatu wasalam, c'est comme si qu'ils ont trouvé que ce qu'il faisait c'était peu. Alors ils ont dit, lui c'est le messager d'Allah, il a été pardonné ses péchés, passé, futur, nous on va faire plus, parce que nous on n'est pas le prophète. Alors un parmi eux il a dit,
quant à moi, je vais prier toute la nuit, je dors plus. L'autre, il a dit, moi, ça c'est le deuxième, je vais jeûner tous les jours. Et le troisième, il a dit, quant à moi, je m'abstiens des femmes et je ne me marierai jamais. Donc ils pensaient bien faire. Ils ont fait ça pourquoi ? Pour pouvoir s'adonner aux adorations. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vint alors et leur dit, est-ce vous qui avez dit telle et telle chose ? Et il dit, alayhi salatu wassalam, par Allah, je crains Allah plus que vous et je suis le plus pieux parmi vous. Mais je ne jeûne pas tous les jours. C'est-à-dire qu'ils jeûnent et ils rompent. Je ne prie pas toutes les nuits. Je m'endors des nuits. Et j'épouse les femmes. Et regarde la fin. Celui qui refuse ma tradition, ma sunna, ne m'appartient pas. Il a considéré celui qui prend un autre chemin que le sien. Et parmi ces chemins-là, il y a le mariage qui ne faisait pas partie des siens. Sallallahu alayhi wa sallam. Et d'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh vous les jeunes, que celui qui est en mesure de se marier parmi vous qui le fasse. Vous avez les moyens, pourquoi vous retardez? Non, laisse-moi kiffer, je fais mes voyages, je suis pas encore parti en Thaïlande. J'ai envie de visiter la Malaisie, c'est trop beau. Faut que j'aille dans les îles, faut que je découvre le monde. Mon frère, tu veux me mettre dans une cage maintenant? Laisse-moi un peu m'envoler comme un oiseau. Non. T'as les moyens, marie-toi. T'as pas les moyens, écoute la fin du hadith, inshallah. Donc le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit, oh vous les jeunes, que celui qui est en mesure de se marier parmi vous, qu'il le fasse. Ok? C'est mieux pour le regard et la protection du sexe. Subhanallah. T'es d'accord avec moi que c'est ces deux membres de ton corps qui sont en danger quand t'es pas marié? Les regards, les yeux et le sexe de la personne. La personne, quand elle jette son regard dans le haram, eh ben, ça lui ouvre une porte à beaucoup plus de haram. N'est-ce pas? Sans compter les péchés qu'elle prend. Le fait simplement de regarder. De regarder. Aujourd'hui, malheureusement, des frères et des sœurs ne baissent plus le regard. Ils marchent dans la rue, ils voient une sœur, ou l'inverse, elle voit un frère, et normal, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de honte de se regarder jusqu'au bout, de se faire du rentre-dedans par les yeux. Il n'y a plus de honte, il n'y a plus de pudeur. On vit dans une époque où la société, elle nous a détruites. Et on a bouffé énormément de leur valeur et de leur mœurs et de leur comportement. Et ça, c'est catastrophique. On a notre identité, ils ont la leur. D'accord? Donc, faire très attention à ça, barakallahu fikoum. Enfin, quand tu te maries, ça t'aide à ne plus regarder ailleurs. Et si le mariage t'a pas aidé à faire ça, faut que vous revoyez un petit peu votre situation dans le couple. Peut-être que toi, t'es fautif, tu t'entretiens tellement pas que la femme veut plus s'entretenir pour toi et donc vous deux à la maison, vous êtes pas du tout attirants l'un vers l'autre. D'accord? Peut-être c'est simplement la femme qui ne s'entretient plus parce qu'elle s'est dit voilà, maintenant après 3 grossesses et avec les kilos que j'ai pris, ça sert plus à rien. Non, faut pas tout ça. D'accord? Donc le mariage, c'est mieux pour le regard et la protection du sexe. Et subhanallah, tu te rappelles un petit peu d'un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam il dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre sa mâchoire et ses deux jambes, je lui garantis le paradis. La langue et le sexe. Donc on voit très bien que les textes insistent beaucoup sur le fait de ne pas tomber dans la fornication, sur le fait de ne pas approcher la fornication, que les préliminaires d'une relation haram soient évités. Et que celui qui ne peut pas se marier, qu'est-ce qu'il dit à l'Esprit-Saint ? Qu'il jeûne. Car le jeûne lui servira de protection. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Et vous êtes d'accord avec moi, quand on jeûne pendant le mois du Ramadan, eh ben, cette flamme qu'on a dans le cœur, ces tentations, s'éteignent ou disparaissent. N'est-ce pas ? Pendant le mois du Ramadan. Même ceux qui sont dans le haram et qui sortent avec des filles ou l'inverse, alors on fait un break. C'est le mois du Ramadan. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Pourquoi ? Parce que La tension, la température, elle descend. Parce que le jeûne, il aide à s'éloigner du haram. Enfin, celui qui craque pendant qu'il est célibataire, qu'il jeûne. Ça, c'est la recommandation du prophète Alisson et qu'il n'ouvre pas une porte à un autre haram. Le prophète Alisson n'a pas dit que celui qui ne peut pas se marier, qu'il fasse du haram. Il a dit quoi? Que celui qui ne peut pas se marier, qu'il jeûne. Clair? Et l'imam est terminé à rapporter d'Abu Ayyub, que le prophète Alisson a dit, 4 sont les traditions des messagers. Les messagers au pluriel. 1. Le henné. 2. Le parfum. 3. Al-siwak, que vous connaissez. Et 4. Le mariage. Ça fait partie des traditions des messagers. L'homme hésite parfois d'accepter le mariage. Il s'en abstient
il s'en abstient alors de peur qu'il ne puisse assumer ses responsabilités. L'islam attire son attention sur le fait qu'Allah Azzawajal fera de ce mariage un moyen qui mène à la richesse. C'est-à-dire que lui, s'il a le strict minimum pour s'engager et assumer ses responsabilités, et qu'il pense que voilà, comme financièrement c'est pas méga tip top ce qu'il a, eh ben l'islam attire son attention sur le fait qu'Allah Azzawajal fera de ce mariage un moyen qui mène à la richesse. Et que c'est lui qui va assumer cette responsabilité à sa place. Et qu'il va lui fournir la force nécessaire pour vaincre les causes de la pauvreté. Allah tabaraka ta'ala dit dans sourate An-Nur, sourate 24, verset 32, wa ankihu al-ayama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, ils sont dans le besoin, Allah les rendra riches par sa grâce. Et ça, c'est un message qu'on adresse aux parents qui attendent d'avoir devant eux une carte bleue super amra pour donner leur fille en mariage. Quelqu'un qui a énormément d'argent, quelqu'un qui a une voiture de luxe, un grand appart. Non. Non, faut être dans le juste milieu. Faut pas être dans l'excès ni dans la négligence. D'accord ? Si le frère, il a de quoi s'assumer et qu'il est, voilà, il est dans ses premiers pas, faut pas en arriver à ce qu'on entend aujourd'hui, les dots à 5 000, 10 000 euros, salle de mariage, s'il n'y a pas le traiteur, s'il n'y a pas la ferta, les instruments de musique, DJ du diable et tout le patati patata, et ben s'il n'y a pas tout ça, on peut pas marier. Et tout ça, ça coûte beaucoup. Le frère Meskin, il vient à peine d'être diplômé, ou il est encore dans l'année de son diplôme, et on lui demande pour se marier 10, 15, 20 000 euros. Sans compter l'appartement, les meubles et tout ce qui s'ensuit. Ben qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de fermer une porte de rire à notre jeunesse. On est en train de fermer la porte de cette adoration à notre jeunesse parce qu'on est devenu trop exigeant. Trop. Et plein de frères se plaignent, ils n'arrivent plus à se marier. Pourquoi? Parce que quand il va se présenter, on a l'impression qu'on lui vend de la marchandise. C'est vrai ou c'est pas vrai? On lui vend de la marchandise. Tu donnes combien, vous le dites? C'est vrai ou c'est vrai? Combien? Parle. Tu sais combien ils m'ont proposé, moi, pour ma fille? J'ai dit non. Il vend sa voiture. C'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal. L'imam Tirmidhi, rahimahullah, a rapporté d'après Abu Huraira, radhiyallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: trois personnes, Allah doit les aider. Trois personnes, Allah doit les aider. Le combattant pour la grâce d'Allah, l'esclave affranchi sous condition de payer son terme, et l'homme qui cherche à se marier. Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. Mais juste place l'intention et fais les causes. Parce qu'aujourd'hui, on les voit tous. Placer les intentions de se marier, mais pas faire de cause, n'est-ce pas? Et Inch'Allah, t'inquiète, un hasard qui va me ramener une femme plus. Il fait aucune cause. Aucune. Il va pas faire les démarches pour, il a aucune situation financière, il a rien. Alors que, il faut quand même un minimum pour ce grand projet. Quant à toi qui refuses de te marier pour éviter les problèmes, toi qui refuses de te marier pour pouvoir voyager, toi qui refuses le mariage pour kiffer ta vie de célibataire, sache que le prophète a.s.w. a interdit le célibat. Interdit. Selon Samoura, radiallahu anhu, le prophète a.s.w. a interdit le célibat, rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Sheikh l'Albani. Pourquoi tu le refuses, le mariage? Pourquoi? La porte, elle s'est ouverte. Et des fois, c'est la sœur, trop exigeante. 1, 2, 3, 4, 10 prétendants et toujours non, non, non. Non, parce que celui-là, en fait, je le voulais 1m82. Il fait 1m78. Ça va parler. Quand je vais me mettre à côté de lui, ça, il y aura une différence. Celui-là, en fait, il est super gentil. D'ailleurs, c'est son défaut. Voilà, t'entends des choses. Ouksembillah, moi, j'ai entendu des causes de divorce. Je préfère pas vous les dire pour pas vous citer. On est intervenu des fois pour des médiations de couple et on en a reçu pas mal des couples et des problèmes par email et tout. Mais voilà, quand tu regardes les causes du divorce, tu dis là, à ce point, on est tombé aussi pas. Donc, mes frères et sœurs, mariez-vous et délaissez cette vie instable dans le haram. Cette vie ne vous rapportera que des problèmes. Délaissez tous ces millions de péchés pour accomplir la moitié de votre religion. D'accord ? Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wasallam a dit: celui qu'Allah lui procure une femme pieuse, il l'a aidé dans la moitié de sa religion, qu'il le craint alors dans la moitié qui reste. Rapporté par Tabarani. Et sachez que le meilleur cadeau qu'un homme peut avoir dans ce bas monde est une femme pieuse. Et le meilleur cadeau que la femme peut avoir dans ce bas monde, c'est un mari pieux. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète a dit: la vie présente n'est que jouissance
et sa meilleure jouissance est une femme vertueuse rapportée par un musulman. Tu t'imagines un petit peu ? Hélas, une des plus grandes causes de corruption chez les jeunes, c'est les parents qui ne veulent pas marier leurs enfants, car ils n'ont pas trouvé celui à la carte bleue blindée, la belle voiture, un grand diplôme, il a un boulot de malade, etc. Pour beaucoup de parents, l'argent a plus de valeur pour eux que la religion du prétendant. On lui pose aucune question sur sa religion. Il salli, ma il salli, shmi'alish. Le plus important, c'est drahim, c'en est où ? Ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique, il faut que ça change. Pour qu'il y ait des bienfaits du mariage ? On va dire que j'ai résumé 12 grands points. Le premier bienfait du mariage, c'est que 1. Tu obéis à l'ordre d'Allah qui nous demande de nous marier. Deuxièmement, que tu suis la sunna du prophète alayhi salatu wasalam et celle des autres messagers. Car la majorité des prophètes étaient marié. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate Ar-Ra'd: "Wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyya." Nous avons envoyé avant toi des messagers et leur avons assigné des épouses et de la descendance. Troisièmement, le mariage protège des tentations et facilite de baisser le regard. Il te facilite de baisser le regard, haqiqatan, c'est une réalité. Tu es marié, ça y est, tu as comblé ce vide. Et ben, cette envie de regarder, elle est coupée par la permission d'Allah. Pourquoi ? Parce que, alhamdulillah, tu es marié, tu vis dans la stabilité, dans le repos, et donc tu as plus de facilité à baisser le regard. Aussi, ça te permet de préserver ta chasteté. Ça, c'est quatrièmement. À rester chaste, pure, vierge. Quand tu es marié, bien sûr, après la virginité part ou à laquelle, tu préserves cette partie intime de commettre, de commettre le haram, la fornication, etc. Ça c'est 4. 5. La diminution de la corruption chez les musulmans. Si aujourd'hui on facilitait le mariage, eh ben on aurait moins de personnes qui prennent des chemins haram pour satisfaire leurs besoins. N'est-ce pas ? On leur ouvre la porte du halal, c'est réglé. 6. La multiplication de la descendance. Chose qui a été demandée par les prophètes et les croyants. Ibrahim a.s. a demandé à Allah d'avoir un enfant, mais pas n'importe lequel. Rabbi habli minas salihin. Seigneur, fais-moi donc d'une progéniture d'entre les vertueux. Dans sourate Al-Imran, قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. Oh mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance. Il y a aussi le hadith de Mi'qal ibn Yasar qui est rapporté par Abdelazar. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit: mariez-vous à des femmes affectueuses qui font de nombreux enfants pour que parmi vous je rivalise en nombre avec les autres communautés le jour de la résurrection. Donc le prophète alayhi salatu wasalam, il veut qu'on dépasse le nombre des autres communautés le jour du jugement. Et le mariage est un moyen de faire grandir cette communauté. Septièmement, c'est le fait de, septièmement, le fait d'aimer ce que le prophète alayhi salatu wasalam a aimé. Le prophète alayhi salatu wasalam a aimé le mariage. Il alayhi salatu wasalam a dit: hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wa an-nisa wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salat. Il a été enraciné en moi l'amour de certaines choses de votre bas monde. De votre bas monde. C'est pas le bas monde du prophète alayhi salatu wasalam. Les femmes, le parfum et la prunelle de mes yeux a été la prière rapportée par Ahmed. Aussi, qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne l'invocation de nos enfants après la mort. Quand tu te maries et que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite d'avoir des enfants et que ces enfants-là, tu les fais grandir sur la piété, demain, toi, tu meurs. Le prophète alayhi salatu wasalam, il nous a enseigné que l'homme, quand il meurt, son œuvre s'arrête sauf dans trois choses et parmi elles, un enfant pieux qui fait des doigts pour ses parents. De même, tu gagnes l'intercession des enfants pour les parents. Les enfants intercéderont pour toi, yawm al-qiyam. De même que tu gagnes le fait que quand tu as un rapport intime avec ton époux ou ton épouse, tu as des hasanat. C'est dans Sahih Muslim, selon Abi Dharr. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, et wa fi budai ahadikum sadaqa. Il a dit, même dans les rapports intimes que vous avez avec vos épouses, vous avez une aumône, des récompenses. Et là, les gens dirent, les compagnons dirent, au messager d'Allah, l'un d'entre nous va-t-il assouvir son besoin ? Et en plus d'être récompensé, il a dit, voyez-vous, s'il aurait fait cela dans le haram, aurait-il eu un péché ? Il dit oui, il dit de la même manière, quand il le fait dans le halal, il en a une récompense. Il en a une récompense. T'imagines, à chaque fois qu'un homme a un rapport intime avec sa femme, il a des hasanats, il se rapproche d'Allah, ça devient une adoration à condition qu'il prépare la niya, l'intention, en faisant ce rapport, de se rapprocher d'Allah, de se préserver, d'avoir une descendance pieuse, de préparer les bonnes intentions avant cet acte. Et pour finir, parmi les plus grands bienfaits du mariage, c'est la stabilité, le repos. C'est fini, c'est un souci en moi. Ça y est, alhamdoulilah, maintenant, je vais commencer à construire
une famille. Je vais commencer à m'occuper de moi, mon mari. On va s'enseigner, nous deux, la religion. On va s'entraider dans le bien. On va se réveiller pour Salat al-Subh. On va se réveiller pour la Qiyam. On va apprendre des sourates ensemble. On va faire Talab al-Ilm. On va étudier. On va voir les projets de demain. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, etc. On va s'occuper de nos enfants. Je pourrais me confier à quelqu'un quand j'ai des soucis. Je pourrais parler. J'aurai quelqu'un de très intime dans mon foyer à qui je peux parler, me plaindre, raconter mes soucis comme mes moments de joie. Et ça, wallahi, que c'est immense. Et ceux qui sont mariés et qui le vivent peuvent vous le confirmer. Parmi vous, il y a des mariés ou pas? Levez la main. Très bien. Ce que j'ai dit là, vous le vivez dans vos couples ou je parlais de quelqu'un d'autre? Non, ne levez plus la main, c'est bon. Alors, pour les halles, le mariage a plein de bienfaits. Ça, c'est un résumé de tous les bienfaits du mariage. Simplement, sachez, Allah y barik fikoum, que le mariage, c'est une adoration. Et pour faire cette adoration, il faut se renseigner un maximum, il faut en apprendre beaucoup dans sa religion. D'accord? C'est un projet qui demande de connaître dans quoi on met les pieds. Il y a des gens, quand ils sont dans un commerce, ils vont voir religieusement, est-ce qu'ils ont le droit de faire cette transaction, est-ce que c'est halal, haram. Et Omar al-Khattab, quand il allait dans le marché et qu'il voyait des gens, des commerçants, vendre sans connaître les règles du commerce, il les punissait. Donc il en est de même pour celui qui se marie, il doit connaître les règles du mariage. Ses droits, ses devoirs, ses obligations. Il doit connaître ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. La psychologie de la femme, la psychologie de l'homme. Comment se comporter en temps de conflit? Comment faire pour éviter les problèmes de famille? Comment faire quand les familles mettent leur nez dans le couple? Tout ça, on doit l'apprendre avant de rentrer dans ce grand projet, car malheureusement aujourd'hui, le fait que nos frères et nos sœurs ont beaucoup d'ignorance dans ces sujets, eh ben, on entend que des couples se détruisent rapidement, que des gens ne tiennent pas dans le mariage, qui sont choqués le jour où ils sont mariés, parce qu'ils ne pensaient pas que le mariage c'était ça, ils pensaient que le mariage c'était juste le côté physique, sentimental et stop, alors qu'il y a beaucoup plus que cela dans le chemin du mariage. Qu'Allah tabaraka ta'ala facilite à tous nos frères et à toutes nos sœurs, j'espère entendre un vrai amin, le mariage le plus rapidement possible. Qu'Allah tabaraka ta'ala vous facilite de vous marier, vous qui êtes célibataire. Qu'Allah tabaraka ta'ala remplit votre vie de joie. Et sachez-le que le chemin qui paye le plus, c'est le chemin halal de l'islam. Et le chemin qui paye le moins et qui paye très mal, c'est le chemin du haram. Et trop de gens ont souffert par ce chemin. Qu'Allah tabaraka ta'ala vous facilite à tous et à toutes de vous marier. J'ai toujours pas entendu de Amin, donc vous voulez pas vous marier, c'est pas grave, tant pis pour vous. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله